Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Smile Cycling. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment entretenir correctement un corps de roue libre DT Suisse. C'est parti! La première étape consiste à venir retirer notre bouchon ainsi que le corps de roue libre en le tirant tout simplement vers l'extérieur. On pourra ensuite venir retirer le premier ressort, les deux rondelles dentées, ainsi que le second ressort. Puis, on viendra terminer par sortir notre entretoise. On va ensuite pouvoir passer au nettoyage de l'ensemble de ces pièces. On viendra pour cela utiliser soit un chiffon, et vous pouvez également utiliser un dégraissant qui permettra de dissoudre les graisses. On pourra également faire de même pour le corps. On pourra également venir nettoyer l'intérieur de notre moyeu, là aussi à l'aide d'un chiffon. On va donc ensuite pouvoir passer au graissage de nos différentes pièces. Pour cela, on viendra utiliser une graisse spécifique développée par DT Suisse pour ses corps de roue libre Ratchet. Puis on terminera par venir graisser notre moyeu. Ensuite, on pourra venir réinstaller l'ensemble de nos pièces, en commençant par l'entretoise, puis le premier ressort avec la partie la plus large du côté du moyeu. Ensuite, je vais venir placer mes deux rondelles crantées. Puis, je viendrai poser mon deuxième ressort au niveau de mon corps en faisant attention à ce que la partie la plus large soit du côté du corps. On pourra ensuite venir repositionner notre corps de roue libre. Et pour finir, on viendra mettre en place notre bouchon. Enfin, dernière étape, on viendra s'assurer que notre corps de roue libre fonctionne correctement. Pour conclure, on vient répéter les différentes opérations de notre entretien de corps de roue libre DT Suisse. En 1, on va venir enlever notre corps ainsi que le bouchon. En 2, on viendra retirer les ressorts et les couronnes dentées. En 3, on viendra retirer notre entretoise. En 4, on viendra nettoyer notre corps, les ressorts ainsi que les couronnes dentées. En 5, on viendra nettoyer notre moyeu. En 6, on viendra graisser notre corps, les ressorts ainsi que les couronnes dentées. En 7, on viendra graisser notre moyeu. En 8, on viendra remonter les ressorts, les couronnes dentées ainsi que l'entretoise. En 9, on pourra passer au remontage du corps de roue libre ainsi que du bouchon. Et enfin en 10, on viendra contrôler que notre roue libre fonctionne correctement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos et aller faire un tour sur mes pages Facebook et Instagram. Merci et à bientôt.